Alors, mesdames et messieurs, tout est en place pour ce dernier match de saison régulière de la Ligue de hockey collégiale masculin Division 2 entre les Patriotes du cégep de Saint-Laurent et le Boomerang du cégep André Laurendeau, alors que les deux gardiens de but partant pour l'affrontement du jour. Tout d'abord, du côté des Patriotes, c'est Frédéric Jeté, avec une fiche de 5 victoires en 6 départs. Moyenne de but allouée 3,43, pourcentage d'arrêt de 899. Et du côté du Boomerang, eh bien, c'est Justin Nardoni. Il a une fiche de 4,8, moyenne de but de 3,62, pourcentage d'arrêt 858. Alors, sur la glace pour le Boomerang, on aperçoit Clément Chartrand avec Léandre Jaudoin à la défensive. À l'attaque, Saint-Jacques, Noël et Rioux. Alors, le match qui se mettra en branle dans les prochains instants. Thomas Chagnon qui est au cercle contre Rioux. C'est parti! Bon dernier match, saison régulière 23-24. Jaudoin qui a la rondelle jusqu'à Noël, qui fait dévier à l'autre bout. Et ça va être Raymond qui sera là en premier. Sicurella qui pousse le long de la rampe. Déniaud qui a le disque. Déniaud jusqu'à la ligne rouge. C'est intercepté par Jaudoin. Jaudoin tente un tourniquet. Finalement, les Patriotes qui ont envoyé le disque à l'autre bout. Déniaud qui est là en premier. Déniaud remet vers le filet. Et Justin Nardoni qui a immobilisé le tout. Et c'est l'arrêt du jeu. Mise au jeu qui se jouera à la droite du gardien Nardoni. Rioux qui a gagné la mise au jeu. Voilà Chartrand qui dégage jusqu'à la ligne 2. Ça revient là vers Saint-Jacques. Saint-Jacques qui s'installe à l'attaque, remet devant lui. Le tir, c'est l'arrêt. C'est récupéré le long de la rampe ici. Là. Finalement, les Patriotes qui vont sortir. Voilà Chagnon. Dégagement à l'extérieur de la glace. Et ça n'ira pas plus loin. Une mise au jeu qui se jouera en zone neutre. Puisque les Patriotes ont envoyé la rondelle à l'extérieur de la glace. Thibault qui sera opposé à Tranquille. C'est gagné par Thibault. Ça revient derrière là, pour les Patriotes. Dégagement à l'autre bout de la part de Roy. C'est récupéré par Brunet qui lobe jusqu'à l'autre bout. Course pour la rondelle entre Roy et Bérard. Roy qui est là en premier. Roy le long de la rampe s'est dégagé dans le territoire du Boomerang et ça sera refusé contre la formation de Christophe Burnet. Alors, un début de match brouillon pour les deux formations qui s'étudient. Le Boomerang qui, gracieuseté de la défaite du collège André Grasset cet après-midi, a vu son avantage de la glace lui être attribué pour le premier match de la série 2-3 là, de la première ronde. Damelda qui a la rondelle. Ça mène en zone offensive. Ça revient ici là, le long de la rampe. Farmer qui a envoyé à l'autre bout. Finalement, ça revient le long de la rampe. O'Brien jusqu'à la ligne bleue. Un lancé loin, c'est bloqué par Nardoni. C'est récupéré derrière le filet. Damelda qui remet devant, c'est coupé par Tranquille. Tranquille jusqu'au coin là pour Tremblay et Desrosiers. Desrosiers à Tranquille, à Tremblay, pardon, pour Brunet. Brunet devant lui en direction de Provost. Provost qui se fait mettre en échec par Cécile qui a récupéré la rondelle. Cécile, en zone neutre, c'est intercepté là, par Gamache qui remet derrière à Nkouzé pour Guillaume Aymon. Aymon, le long de la rampe, c'est dévié par Provost à l'autre bout. C'est récupéré là, ici par Bougie. Le Boomerang qui a intercepté la rondelle. Un tir, c'est l'arrêt. Retour devant, deuxième arrêt de suite pour le gardien de but Jeté. Alors, les deux premières opportunités dans le match qui appartiennent au Boomerang. Ça revient en zone neutre. Nkouzé qui remet devant lui. Gamache. Gamache pour Aymon. Aymon le long de la rampe jusqu'à Nkouzé. Nkouzé pour Gamache. Gamache qui laisse la rondelle là dans le coin. Finalement, ça revient vers Dupont. Dupont pour Nkouzé. Nkouzé en direction là, de Gamache vers l'ami à Dupont. Dupont qui s'amène à l'attaque. Finalement, le jeu a été coupé par Bougie qui remet devant lui entrée de territoire de Vlasopoulos. À Bougie, mise en échec le long de la rampe, c'est récupéré là, par Chartrand. Chartrand à la ringue.
pour Dupont qui s'amène à l'attaque. Dupont qui va s'amener en compagnie de Plourde qui s'est fait enlever son bâton là, avec un coup de bâton. Il y aura pénalité. Le jeu qui reprend ici, le boomerang qui est en avantage numérique pendant encore 70 secondes. Noël qui attend ses options. Noël remène avant lui là, pour Plourde. Plourde qui envoie de l'autre côté, c'est intercepté, dégagé à l'autre bout par Benjamin Gagnon. Et le boomerang qui remet vers Tranquille en direction là, de Nadeau, dégagement à l'autre bout. Le long de la rampe ici, Roy qui a le disque. Roy. Interception de Tranquille. Tranquille devant le filet, c'est coupé, c'est récupéré par Nadeau. Nadeau à sa droite pour Plourde. Plourde à Tranquille. Tranquille à Nadeau. Nadeau transversal. Plourde maintenant dans l'enclave. Tente une remise d'avant, c'est coupé par Roy qui va dégager jusqu'à l'autre bout. Il va rester une vingtaine de secondes à faire là, à cet avantage numérique du boomerang et il y a eu un dégagement refusé. Le jeu qui reprend ici, c'est récupéré par Tremblay. Tremblay à Lamy. Lamy s'amène en zone neutre vers la zone offensive. Il va d'une feinte, tente une autre et les défenseurs n'ont pas mordu. Gamache qui a laissé la rondelle aller dans le coin là. Lamy qui tente de reprendre possession, ça ne fonctionne pas. Les Patriotes qui envoient le disque en zone neutre. Et c'est récupéré par Lamy. Attention, qui a intercepté. Lamy s'amène. Le tir, le but! Zachary Lamy qui marque et c'est 1-0. Revirement en zone défensive de la part des Patriotes. Lamy qui a récupéré cette rondelle. Qui est venu décocher un tir dans le haut du filet. Il a vaincu le gardien jeté. Côté bouclier. Et c'est 1-0. Au jeu qui a été gagné là, par les Patriotes. Dégagement à l'autre bout. C'est récupéré par Nkouzé. Nkouzé le long de la rampe jusqu'à Bérard. Interception ici. Un lancé qui est bloqué par Mardoni. Récupération de Provo. Provo. Cécile qui a perdu contrôle. Là, c'est récupéré par Tranquille. Tranquille qui s'amène à l'attaque. Dégagement à l'autre bout. C'est intervenu là, par Jeté. Brunet qui a intercepté. Pardon. Brunet pour Bérard derrière le filet. Bérard. Contourne le coin, remet à Aymon. Aymon, un tir de loin, c'est hors cible. Ça sera récupéré par Nkouzé. Un lancé qui est bloqué. Finalement, ça revient derrière le filet. Voilà Farmer qui envoie le disque sur Aymon en zone neutre. Revirement ici qui est récupéré là, par Audi qui a laissé derrière lui pour Bougie. Ça sera la transition de l'autre côté pour Sicurella. Le boomerang qui tente de récupérer. Cécile qui est là, finalement, c'est une bataille pour la rondelle. Ça revient dans l'enclave vers Vlasopoulos. Du revers, une remise devant le tir. Oh, c'est la reine Nardoni. Il vient vaincre ici là, le Charbonneau.
Le boomerang qui tente de sortir encore une fois. Finalement, ça revient vers la ligne de ringuette avec Ryu. Ryu pour Aimon. Le boomerang qui sort par le flanc opposé là, avec Saint-Jacques qui garde possession. À la ligne bleue maintenant, c'est sorti en zone ennemie. Voilà Noël pour Ryu. Ryu, un lancé loin, c'est bloqué par Jeté. La rondelle se retrouve à la ligne bleue. Ryu qui remet devant lui à la ringuette, c'est coupé. Et ça revient vers la zone offensive. Gosselin qui s'amène, se fait soutirer la rondelle. Et le boomerang qui va sortir de son territoire. Interception de Vlasopoulos, récupéré par Ryu, qui envoie le disque à l'autre bout. Et Roy qui va avoir la rondelle le long de la rampe. Le boomerang qui tente de reprendre possession et ça revient à la ligne bleue. Chartrand devant lui pour Ryu qui s'amène au cercle. Ryu, un tourniquet, attire un couvreur, va laisser la rondelle libre derrière la cage. C'est revenu vers Roy. Petite passe devant lui, là, ça va être la transition. Bien coupé par Tremblay le long de la rampe aux dépens de Roy. Une bataille à quelques joueurs. Finalement, le boomerang qui a permis aux Patriotes de regagner cette rondelle. Ça sera dégagé. Ça sera une remise vers le filet. C'est raté. Les Patriotes qui ont la rondelle le long de la rampe. Là. Finalement, le boomerang qui regagne le disque. Voilà Plourne. Un dégagement. Ça revient à l'autre bout. Là. Les Patriotes qui peinent à sortir de leur territoire. Le boomerang qui fait du bon travail en zone neutre pour leur limiter le temps et l'espace avec la rondelle. Ça revient ici encore une fois vers Dupont. Interception de Bougie qui va envoyer le disque de l'autre côté pour Farmer. Dégagement jusqu'à Nardoni. C'est revenu vers Desrosiers à Dupont. Dupont. Un dégagement à l'autre bout. Rondelle qui ralentit. Le dégagement qui sera accepté. Farmer qui remet vers Degnaud, et ce sera la transition de la part de Thibault qui va dégager à l'autre bout. Et Nardoni qui sera là en premier sur la rondelle, en compagnie de Nadeau le long de la rampe. Nadeau qui tente de sortir, finalement, c'est bloqué à la ligne bleue par Degnaud. Une remise vers le filet, c'est raté ici. Degnaud qui va récupérer à la ligne de ringuette. Un lancé loin, c'est hors cible. La rondelle qui se retrouve dans le coin. On se retrouve à mi-chemin de cette première période. Le boomerang qui mène 1-0 grâce à Zachary Lamy. Dupont qui a le disque. Dupont qui va dégager à l'autre bout. Il va retraiter à son banc puisqu'il y avait des changements du côté du boomerang. Lamy là, qui a inscrit son 6e but de la saison. Bonne mise en échec d'Anne Cousy en zone neutre et le boomerang qui a repris possession. Lamy qui a la rondelle. Lamy remet devant lui à Gamache qui va s'amener à l'attaque. Gamache s'amène. Un lancé, ça s'en va dans les hauteurs de l'amphithéâtre, dans l'écran protecteur. Ça n'ira pas plus loin. 10-38 à jouer. En première période, 1-0 la marque pour le boomerang. Un bon début de match pour la formation de Bruno Gladue. On voit un niveau d'engagement élevé et certaines bonnes occasions de marquer. Peu d'espace avec la rondelle pour les Patriotes. Les Pats qui ont la rondelle, là, ça revient à la ligne bleue. Ici, Gagnon qui remet devant en direction d'Amelda. Et c'est intercepté par Provost qui laisse derrière lui. Voilà Jaudouin. Le long de la rampe jusqu'à Lamy. Lamy derrière le filet. C'est intercepté ici là, par Gagnon. Gagnon, le long de la rampe jusqu'à la ligne bleue. Un lancé qui est bloqué dans les patins. Et attention, course pour le disque. Ça sera récupéré par Lamy. Qui s'est fait barrer la route. Qui s'est fait soutirer la rondelle vivement par Sicurella. Les Patriotes qui pourront respirer un peu. Damelda qui remet devant lui. C'est intercepté par Aimon. Et la formation de Christophe Burnet qui doit sortir de son territoire pour éviter un hors-jeu. Et aussi pour effectuer des changements, puisque les joueurs étaient en fin de présence. Aimon, le long de la rampe, ça s'en va en zone neutre. Brunet qui intervient, Nkouzé qui tente de gagner cette bataille, ça ne fonctionne pas, et ça revient vers Aimon. Aimon qui se fait mettre en échec par Roy, ça revient vers Brunet, pour Bérard qui va s'amener à l'attaque. Bérard tente de déborder hors l'aile, et évite un couvreur. Finalement, ça revient vers Bérard qui a été mis en échec et s'est récupéré en zone neutre. Aimon qui va hacher le disque jusqu'à l'autre bout. Aimon qui a donné un coup de bâton ici. Il aurait dû avoir un 2 minutes. Il a été chanceux. Les Patriotes qui ont la rondelle. Roy qui a le disque le long de la rampe. C'est intercepté par Tremblay. Tremblay, dégagement jusqu'à l'autre bout. Ça s'en va vers Jeté. Jeté pour Héroux. Héroux qui attire Bérard sur lui. Brunet qui couvre Roy.
Finalement, c'est intercepté par Tremblay pour Brunet. Brunet qui a la rondelle le long de la rampe. Ça revient vers Tranquille. Tranquille pour Tremblay, c'est intercepté. Ce sera l'entrée de territoire de Cécile qui s'amène à l'attaque. Une passe dans le flanc opposé, c'est trop long pour Charbonneau. Et le boomerang qui va récupérer. Voilà Desrosiers en direction de Tremblay. Tremblay qui prend son temps. Observe ses options, laisse derrière pour Saint-Jacques. Le long de la rampe jusqu'à Brunet qui va dégager à l'autre bout. Il va retraiter au banc. Desrosiers fera de même pour effectuer des changements. Rondelle qui est récupérée par Rioux. Une passe devant lui. Finalement, c'est intercepté par les Patriotes. Et le boomerang qui reprend possession par la suite. Un lancé du revers de la part de Saint-Jacques. C'est bloqué par Jeté. Pas de retour. Une période largement à l'avantage du boomerang jusqu'à maintenant. Plusieurs opportunités de marquer. C'est remporté par Jaudoin. Jaudoin, du côté droit, pour Chartrand. Jusqu'à Rioux, derrière le filet. Rioux prend son temps. Finalement, il a perdu possession. Et les Patriotes qui sortent le long de la rampe jusqu'à la hauteur de Gervais. Jaudoin qui intervient en compagnie de Noël. Bataille pour la rondelle. Noël qui remet devant lui. Finalement, c'est Rioux qui a récupéré cette rondelle libre pour dégager à l'autre bout. Les Patriotes qui recommencent. C'est coupé par Saint-Jacques en zone neutre. Gosselin qui remet devant. Noël qui intercepte, qui pousse à une main. Les Patriotes qui ont le disque là, avec Gosselin. Entrée de territoire cette fois-ci de Gervais qui s'amène. Une remise avant le filet. Le lancer, le but! Un tir dans le haut du filet, c'est 1-1. Les Patriotes qui viennent créer l'égalité. Mauvais positionnement en zone neutre de la part du boomerang qui a profité aux Patriotes pour aller chercher un surnombre. 2-1 ici. Belle passe de Gervais en direction de Gosselin. Qui vient marquer son quatrième but de la saison. Ça lui fait maintenant 15 points depuis le début de l'année. La marque est égalée 1-1. Les Patriotes qui regagnent la rondelle. C'est récupéré par Daigneau qui remet devant lui. Attention, après le territoire maintenant de Giroux. Intercepté le par Plourde. Finalement, ça rebondit jusqu'à Nardoni. Et c'est l'arrêt du jeu. 7-23 à jouer en première période. 1-1 la marque. Mise au jeu à la gauche de Nardoni. C'est remporté par le boomerang ici. Le Nadeau qui sort de son territoire. Le longe la clôture jusqu'à Dupont qui va laisser la rondelle libre. Intervention de... Oh! Quel jeu raté par Nadeau. C'est récupéré par Plourde. Et le sifflet qui se fait entendre ici, Jeté qui a perdu son masque. Un peu plus, c'est le boomerang inscrivant un deuxième but ici. Et là, Jeté là, qui est immobilisé, agenouillé enfin, et qui va se relever. Le jeu se déroulait assez rapidement ici avec Nadeau qui tentait de récupérer cette rondelle libre. Contre Jeté, qui est en train de discuter avec la thérapeute des Patriotes. Savoir comment il va et s'il poursuivra la rencontre. Jeté qui connaît un très bon début de match, là, a effectué plusieurs gros arrêts contre le boomerang. Et là, Jeté qui retraitera au banc, là. Il y aura un changement de gardien de but du côté de Saint-Laurent. Charles Bougie qui sera envoyé dans la mêlée. Vraisemblablement, la soirée de Jeté sera terminée. Et Bougie qui s'en va sur la glace. Bougie qui a une fiche de 8 victoires, 6 défaites cette année. Pourcentage d'arrêt de 900. Moyenne de but alloué 2,64 et un blanchissage depuis le début de la présente campagne. Bougie qui s'échauffe un peu là.
On verra si ça va changer l'allure de cette rencontre. Mise au jeu gagnée par les Patriotes. Provo qui tente de gagner ce disque. Provo remet vers le filet, c'est intercepté, il s'est dégagé jusqu'à la ligne bleue. Nkuzi qui envoie le disque à l'autre bout. Le boomerang qui a su garder la rondelle en zone offensive sans avoir de hors-jeu. Toutefois, c'est intercepté par les Patriotes qui ont par la suite envoyé la rondelle au plafond de l'aréna Silvio Manta. C'est l'arrêt du jeu avec 6:55 à faire en première période. Égalité 1 à 1 dans cette partie. Mise au jeu à la droite de Bougie. C'est gagné là, par les Patriotes. Sikourella qui remet le long de la rampe. Pardon. Jusqu'à Giroux et c'est l'arrêt du jeu. Puisque la rondelle a quitté la glace. Mise au jeu dans la zone de Saint-Laurent. C'est remporté par les Patriotes. Voilà Héroux qui remet le long de la rampe jusqu'à son coéquipier. Entrée de territoire cette fois-ci de la part de Gagnon qui s'est fait intercepter là, par Tremblay. Rondelle qui touche le juge de ligne. Damelda qui remet devant lui. Et Gamache qui va récupérer. Gamache prend son temps. Perd la rondelle et va reprendre le disque. Gamache en direction de Desrosiers qui dégage à l'autre bout. Ça sera refusé. Mise au jeu dans la zone du boomerang. À la droite de Nardoni. Tranquille qui sera au cercle contre Thibault. C'est gagné par Tranquille, ça revient derrière le tir. Oh, ça touche l'extérieur du filet. Le long de la rampe jusqu'à Roy ici. Bataille pour la rondelle. Le boomerang qui tente de regagner le disque. Voilà, c'est fait. Attention, 2 contre 1. Chartrand qui va s'amener en compagnie de Tranquille. La passe vers Tranquille. C'est coupé en défensive. Vivement joué par Héroux. Le TT de cette coupure de passe aurait été probablement un but. Voilà Brunet qui laisse derrière pour Jaudoin à Bérard. Bérard. Une passe de l'autre côté. Finalement, c'est intercepté en zone neutre par Héroux qui va dégager à l'autre bout. Le boomerang qui a la rondelle, là. Voilà Chartrand, ce côté droit, jusqu'à Tranquille. S'est fait soutirer la rondelle. Bonne mise en échec des Patriotes. Le boomerang qui récupère toutefois. Brunet, un placement de rondelle jusqu'au gardien qui devient un tir. Rondelle le long de la rampe jusqu'à Bérard, là. Interception ici. Les Patriotes qui tentent de sortir. Voilà, c'est fait avec Cécile qui remet devant lui. Transition de Charbonneau à Cécile. Devant le filet, Nardoni qui va harponner cette rondelle avec son bâton. Ça va se retrouver là, sur Bérard qui tente de sortir. Il va dégager à l'autre bout et ce sera bon pour un changement du côté du boomerang. Interception de Aymon qui dégage à l'autre bout. Les Patriotes qui ont la rondelle. Toujours 1 à 1 la marque. Saint-Jacques qui tente de regagner le disque. Ça ne fonctionne pas. Audi qui a la rondelle. Audi devant lui finalement. C'est récupéré par Aymon. Aymon, dégagement. Le long de la clôture jusqu'à Noël. Noël qui a envoyé derrière le filet. Interception cette fois-ci des Patriotes. Et Cécile qui s'amène à l'attaque. 2 contre 1. Cécile qui s'amène. Et il a été chuté et le jeu qui a avorté. Les Patriotes qui ont dégagé à l'autre bout. 4 minutes 10 à faire en première période. Toujours l'égalité dans ce match. Un but de chaque côté. Et bon. Une passe, ça dévie sur Rioux jusqu'à Saint-Jacques. Saint-Jacques qui garde la possession pour Rioux. Rioux protège le disque à interception dans l'enclave. Finalement, les Patriotes qui parviennent à sortir. Gosselin qui se fait barrer la route en zone neutre. Les Patriotes qui récupèrent. Non, beau travail défensif de la part du boomerang et ce sera la transition de Nadeau. Nadeau tente une remise vers Rioux et il n'a pu toucher au disque. Le tir de Tremblay, c'est l'arrêt. Rondel qui se retrouve à l'extérieur de la patinoire. Et
c'est l'arrêt de jeu. 3 minutes 37 à faire en première période. 1-1 la marque. Mise au jeu dans le territoire des Patriotes, à la droite de Bougie. Plourde qui est au cercle contre Chagnon. Deux anciens coéquipiers à l'école secondaire de la Magdalene. Roy qui a la rondelle. Roy intercepté par Nadeau qui s'amène à l'attaque. Nadeau s'amène. Une remise devant le filet. Ça revient vers Desrosiers. Le tir de Desrosiers, c'est l'arrêt de Bougie. Nadeau qui donne un coup de bâton. C'est saisi là, par les Patriotes. Une remise devant le filet. Dupont qui tente un tir, c'est bloqué. À la ligne bleue maintenant, Desrosiers qui garde la rondelle en zone offensive. Desrosiers tente un lancer bloqué par Chagnon qui va dégager jusqu'à Tremblay en zone neutre. Tremblay pour Desrosiers à Dupont. Il s'amène à l'attaque avec Nadeau maintenant. Nadeau qui évite une mise en échec, remet devant le filet. Ça revient vers Nadeau. Un lancer qui est bloqué en défensive. Chagnon qui a le disque. Chagnon qui chute le long de la rampe jusqu'à Roy. Roy. Dégagement jusqu'à l'autre bout. Et ça sera refusé contre Saint-Laurent. Le boomerang qui aura une mise au jeu offensive. Bougie qui a été envoyé dans la mêlée, je vous rappelle, pour substituer à Jeté qui s'est blessé là, en début de match. Mise au jeu gagné par les Patriotes. Dégagement le long de la clôture jusqu'à Chartrand. Chartrand qui remet derrière lui à Jaudoin. Jaudoin applique les freins, attendra ses options. Jaudoin, un tourniquet, remet jusqu'à Chartrand pour Gamache, qui s'amène à l'attaque avec vitesse. Gamache tente une feinte, une autre, remet devant le filet, le tir, c'est l'arrêt, retour! C'est l'arrêt inextrémiste de la part de Bougie. Il a sauvé les meubles pour son équipe là-dessus. Les Patriotes qui étaient complètement débordés dans leur zone ici. Orlel avec la vitesse de Gamache qui s'est amené à l'attaque, qui a créé de l'espace. Le boomerang qui a tenté là, de converger vers le filet. C'est gagné par les Patriotes. Bougie qui a le disque. Bougie. Ça dévie sur Damelda et ça revient à Nardoni. Nardoni à Nkouzé. Le jeu qui est brouillon, ça revient devant le filet. Damelda qui tire, c'est l'arrêt et il y aura un sifflet. Pénalité contre le boomerang pour avoir donné un coup de bâton. Les Patriotes qui iront en avantage numérique. Nardoni qui se relève là. Alors Guillaume Mémon qui s'en va au cachot pour avoir donné un coup de bâton. Mise au jeu à la droite de Nardoni. Et là, Gosselin qui est chassé de la mise au jeu. Dénio qui est au cercle, il remporte le disque. Roy qui a la rondelle pour Cécile. Cécile prend son temps. À Roy. Roy, le long de la rampe, remet vers Cécile. C'est intercepté par Bérard et le boomerang qui va sortir ici, là. Tranquille, qui s'amène à l'attaque. En direction de Jaudoin. Le tir à une main, c'est l'arrêt de Bougie. Beau travail de Jaudoin, là, qui a été en mesure de se défaire d'un couvreur et qui a tenté un jeu à une main. L'effort était là. Nardoni qui a récupéré la rondelle. Dégagement jusqu'à l'autre bout. Les 40 premières secondes de la pénalité de Guillaume Mémon qui sont écoulées. Les Patriotes qui n'ont eu aucune opportunité de marquer jusqu'à maintenant dans cet avantage numérique. Roy qui chute et qui s'amène à l'attaque. Se fait soutirer la rondelle. Trébuche remet à Chagnon. Mise en échec ici de Desrosiers. Il y aura pénalité contre le boomerang. Giroux qui touche au disque en compagnie de Raymond. Raymond qui laisse derrière. Et finalement, les Patriotes qui ont la rondelle laissent à Chartrand. Ça sera une pénalité pour obstruction. Desrosiers qui s'en va au cachot. Ou comme dirait mon collègue Rémi Meunier, au cordeau privé de la Ligue. Logé, tout frais payé et nourri.
52 secondes à faire à la première punition du boomerang. 51 secondes à jouer au premier engagement. Mise au jeu à la gauche de Nardoni. Ryu qui est au cercle contre Chagnon. C'est gagné par le boomerang dégagement le long de la clôture et ça va sortir jusqu'à Raymond dans sa propre zone. Raymond prend son temps. Raymond s'amène à la ligne rouge en zone offensive. Raymond perd contrôle. Le boomerang qui va dégager jusqu'à l'autre bout. Les Patriotes là, qui ne sont pas en mesure de s'installer en zone offensive. Entrée de territoire là, de la part de Chagnon. Chagnon évite un couvreur, reprend la rondelle, remise devant le filet. Gagnon qui tire, oh c'est hors cible. Rondelle qui se retrouve le long de la rampe. Ça revient vers Raymond à la ligne bleue pour Giroux. Giroux s'amène dans l'enclave, remise devant. Oh! On a fendu l'air ici, là, c'était Benjamin Gagnon. Un lancé de la ligne bleue, c'est l'arrêt. Retour devant, l'arrêt de Nardoni. Et c'est la fin de cette période. Alors au bout de ces 20 premières minutes de jeu, l'égalité, 1-1. Les Patriotes qui ont eu certes des occasions de marquer en fin de période, mais n'ont pas été en mesure de concrétiser. Il va rester une seconde à la pénalité de Guillaume Mémont, 69 secondes à la seconde punition du boomerang. Alors, la marque au bout de ces 20 premières minutes de jeu, 1-1. On vous revient après l'entracte pour la deuxième période.
Nous sommes de retour pour la période numéro 2 de ce match. Je vous rappelle un but de chaque côté. Du côté du Boomerang, c'était Zachary Lamy qui avait marqué un but. Et du côté des Patriotes, il y a eu un but également. Là, si je ne me trompe pas, c'était Gosselin qui avait marqué l'unique but de Saint-Laurent lors du premier engagement. Les deux équipes qui sautent sur la glace et nous pourrons reprendre les hostilités. Je vous rappelle, le Boomerang avait écopé de deux punitions vers la fin de la période. Heureusement que la première pénalité, il ne reste qu'une seule seconde là, à jouer à 5 contre 3. Mais par la suite, ce sera 5 contre 4 pour les Patriotes pendant 68 secondes. Du côté du Boomerang sur la glace, j'aperçois Léandre Jaudoin flanqué de Nkouzé et de Saint-Jacques. Du côté des Patriotes, le Chagnon qui est là en compagnie de Raymond. On voit aussi là, le numéro 37, Benjamin Gagnon. Le numéro 89 aussi là, étant Pierre-Jules Giroux qui est sur la glace. Et c'est parti. Raymond qui laisse du côté droit. Un lancer qui est raté, ça venait d'Amelda. Le long de la rampe, le Boomerang qui va dégager jusqu'à l'autre bout. Il va rester 55 secondes dans la punition là, de Desrosiers, qui avait été chassé pour obstruction. Rio qui a trébuché. Et Raymond qui a la rondelle. Là. Léo Raymond qui a le disque. Le capitaine des Patriotes s'amène. Une passe arrière et ça sera la transition de Pierre-Jules Giroux. Giroux qui envoie le disque jusqu'à Chagnon derrière pour Raymond. Raymond qui a le disque. Raymond vient bousculé là, par Saint-Jacques qui sort la rondelle de sa zone. Les Patriotes qui devront recommencer. D'Amelda, quel disque. En compagnie de Gagnon qui entre à l'attaque. Gagnon prend son temps. Gagnon laisse derrière pour Chagnon. Chagnon tente un lancer. C'est complètement raté. Ça va rebondir dans le territoire des Patriotes et ça coïncidera avec la fin du double avantage numérique des Patriotes. Donc, de retour à force égale 5 contre 5. Et entre-temps, un dégagement refusé a été appelé contre la formation de Christophe Burnet. Avec 18-47 à faire en deuxième, 1-1 la marque. Un but de chaque côté. Mise au jeu à la gauche de Bougie. Je ne vois pas jeter au banc de son équipe, là, donc vraisemblablement, sa soirée est terminée. Une passe vers Raymond, qui remet le long de la rampe. Ça s'en va vers Roy. Roy jusqu'à Héroux. Héroux pour Cécile. Et là, la rondelle qui se retrouve là, sur une palette. Ici, là, c'est les Patriotes qui s'amènent à l'attaque. Cécile qui remet devant. C'est trop long. Un lancé qui est intercepté par Tremblay. Et le Boomerang pourra transitionner. Voilà une passe à Dupont qui s'amène à l'attaque. Bien coupé ici là, par Charbonneau. Et les Patriotes qui ont la rondelle dans le coin. Dupont qui remet devant le filet. Le tir de Plourde, c'est raté. Une belle opportunité de marquer générée par l'échec avant d'Antoine Dupont dans le coin. Les Patriotes qui envoient le disque en zone neutre. Entrée de territoire de Cécile qui s'amène à l'attaque. Cécile, un lancé bloqué en défensif par Jaudoin. Jaudoin qui a le disque jusqu'à Lamy. 4 contre 2 ici pour le Boomerang. Lamy qui s'amène à Provo. Une fête, il lance, c'est l'arrêt. Un retour, le tir. Oh, quelle chance en a raté par Félix Gamache. Il avait le deuxième but de son équipe au bout de sa palette. Tout ça s'est amorcé avec le 4 contre 2 et la feinte de Samuel Provo qui a été volé par Charles Bougie ici. Rondel qui se retrouve dans le coin. C'est une bataille pour le disque. Provo qui est un peu retenu, mais sans plus. Lamy qui garde le contrôle. Remet à Nkouzé. Un tir de loin, c'est l'arrêt. Retour devant! C'est récupéré par Gamache à Nkouzé le long de la clôture. Derrière le filet maintenant jusqu'à Provo. Provo qui perd contrôle. Gervais qui récupère. Gervais qui a fait la passe sur le premier but des Pats. Gervais qui a la rondelle. Prend son temps. Gervais. Une remise devant lui. Là, l'entrée de territoire pour Vlasopoulos. C'est intercepté par Aymon qui envoie le disque en zone neutre. Bataille pour le disque. C'est saisi par Bérard. Et ça va donner un autre surnom au Boomerang. Raté toutefois avec cette passe là. Pas réussie ou imprécise pour de la part de Nkouzé. Le jeu qui s'est transporté derrière le filet. Là, c'est la sortie territoire de Saint-Laurent. Gosselin qui remet devant lui là,
Une passe dans l'enclave. Un lancé. C'est raté. Et l'arrêt de Nardoni, en fait. Le boomerang qui a le disque. Interception, là. De Giroux qui a remis devant. Un lancé sur le poteau. Ça revient vers Sicourella. Sicourella. Le long de la rampe. Le boomerang qui est débordé. Nardoni qui va immobiliser le tout. Et c'est l'arrêt du jeu. 16-07 à faire en deuxième. 1-1 la marque. Un match très serré ce soir. Mise au jeu qui sera jouée dans la zone du boomerang. Justin Nardoni qui a évité les dégâts. Mise au jeu qui se jouera à sa droite. Rioux contre Chagnon. C'est gagné par Rioux. Aussitôt, Chartrand va dégager. Ça revient à Chagnon en compagnie de Giroux. Bataille gagnée par Chartrand par la suite qui remet derrière son filet. Jaudoin qui tente de récupérer ce disque. Et les Patriotes qui remettent devant. Oh, quelle chance en or ratée à la suite du retour de Nardoni. Raymond qui envoie le disque à l'autre bout. Chagnon qui est là. Chagnon prend son temps. Remise devant le filet. Giroux qui tire. C'est l'arrêt. Ça revient vers Chagnon. Chagnon à Raymond. Raymond. Un lancé. C'est raté. Chagnon qui récupère. Une mise en échec de Jaudoin et Noël qui va récupérer. Il envoie le disque à l'autre bout. Ça sera accepté. Et Raymond qui a récupéré le disque. Il évite Noël et Saint-Jacques. Une remise en zone neutre. Voilà l'entrée de territoire de Thibault qui s'amène à l'attaque. Thibault qui envoie le disque à l'autre bout. Gagnon qui est là en premier. Ça revient à la ligne bleue. Et Roux qui tente un lancer, ça dévie à l'extérieur. Ça revient vers Thierry Roy. Une passe derrière le filet. Gagnon qui tente une remise vers l'intérieur et finalement c'est récupéré par Damelda le long de la rampe. Nkuzi qui va intercepter ce disque. Nkuzi a pris les freins. Nkuzi remet le long de la clôture et ça sera sorti par Saint-Jacques. Interception des Roux qui va dégager à l'autre bout. Et le boomerang va reprendre dans sa propre zone. 14 minutes 40 à faire en période médiane. Toujours un but de chaque côté. Nkuzi jusqu'à Nadeau qui s'amène à l'attaque. 3 contre 2. Nadeau qui s'amène à Dupont. Le tir de Dupont, c'est l'arrêt. Avec la jambière là, du côté de Bougie. Interception de Nkuzi avec Plourne qui s'amène à l'attaque. Plourne, jamais vers l'intérieur, c'est intercepté en défensive. C'est Thierry Roy là, qui a mis sa palette au bon endroit pour éviter la passe à Nadeau. Ça dévie dans les patins de Nkuzi. Nkuzi jusqu'à Aymond pour Dupont. Dupont vers Aymond. Finalement, Plourne qui est intervenu et c'est récupéré par Dupont derrière son filet en compagnie de Nkuzi. Voici Aymond maintenant. À Nkuzi pour Plourde. Plourde, une passe en zone neutre. Ça revient vers Nadeau, interception des Patriotes qui vont s'amener à 2 contre 1. Une remise vers le filet, c'est raté pour Charbonneau qui va tirer d'un angle impossible. Ça fut bloqué. Charbonneau qui récupère une remise d'avant. Le tir de Cécile, c'est l'arrêt. Et Nadeau qui intercepte, dégagement jusqu'en zone neutre. Et Bougie qui laisse derrière pour Farmer en compagnie de Charbonneau. Aymond qui remet le long de la rampe. Ça revient vers Farmer en compagnie de Bougie qui évite un couvreur. Cécile maintenant qui s'amène à l'attaque. Cécile avec Aymond là. Bataille pour le disque. Aymond qui le bouscule le long de la clôture. N'a pas gagné sa bataille. C'est intercepté par Nkuzi. Une remise vers de Farmer pour son coéquipier en défensive. Un lancé qui fut bloqué. Un autre. C'est l'arrêt. Retour. Bloqué en défensive. C'est récupéré par Audi en compagnie de Farmer. Farmer qui tire. Ça s'en va à l'extérieur. Les Patriotes qui tentent une remise vers l'intérieur ici, c'est raté. Farmer qui tente un tir voilé, c'est l'arrêt. Retour! Bloqué par Nardoni qui s'est immobilisé, qui s'est étendu pour bloquer cette rondelle. Alors là, les Patriotes qui ont bourdonné au cours des dernières secondes. Nardoni qui leur dit non. 12-51 à jouer en deuxième. Vlasopoulos au cercle contre Gamache. Vlasopoulos qui était dans le programme de développement du boomerang avant de se joindre aux Patriotes, division 2. Dégagement le long de la rampe, ça revient vers Raymond. Raymond qui se fait soutirer la rondelle par Lamy. Lamy qui tente de gagner ce disque.
Ça revient en défensive. Revirement de Tremblay. Le tir, oh, c'est raté par Giroux. Par Gervais, pardon. Une remise vers le filet, c'est hors cible. Le boomerang qui va sortir. Tremblay qui a laissé la rondelle libre. C'est récupéré par Raymond. Raymond qui a la rondelle. Les partisans des Patriotes qui voulaient une pénalité contre Zachary Lamy, mais c'était un geste légal, là. Les Patriotes qui ont la rondelle. Gosselin qui a le disque. Gosselin, une remise vers l'intérieur. C'est coupé par le bâton de Nardoni. Rondelle qui est libre. Le boomerang qui a le disque. Dégagement de Desrosiers jusqu'à l'autre bout. Ça va rebondir jusqu'en fond de zone et c'est l'arrêt du jeu. Dégagement refusé contre la formation de Bruno Gladu. 12-0-1 à jouer en deuxième. 1-1 la marque. Un bon match de hockey ce soir. C'est serré. Les Patriotes qui ont eu leurs occasions de marquer. Et là, le boomerang se devra de trouver le moyen de sortir de sa zone. Aller chercher du rythme en zone offensive. Brunet qui remet devant lui. Là. Jaudoin qui s'installe avec Bérard. Bérard qui évite le hors-jeu. Ça revient vers Jaudoin. Bérard, interception. Dégagement jusqu'à Chagnon qui s'amène à l'attaque. Chartrand qui récupère. Interception par la suite. Le boomerang qui reprend possession. Chartrand du revers jusqu'à Bérard qui tente de pousser, mais Héroux qui était là avant lui. Bérard. Une passe en direction de Brunet. C'est coupé par Héroux à Déniaud. Déniaud à Héroux. Héroux. Une passe dans les patins. Ici, ça revient vers Déniaud. Déniaud qui s'amène à l'attaque. Déniaud. Dégagement le long de la rampe. Jusqu'à Chagnon qui est mis en échec. Le boomerang qui reprend possession. Jaudoin à Tranquille. Tranquille vers Brunet. Brunet qui ne parvient pas à toucher au disque. Damelda qui était là. Damelda qui s'amène à l'attaque. Damelda. Dégagement du revers. Et il y aura un sifflet qui se fait entendre. J'essaie de comprendre la nature de cet arrêt de jeu. Possiblement un hors-jeu à retardement ou autre, là, mais bref. Mise au jeu dans la zone des Patriotes. Mise au jeu à la gauche de Bougie. Rio au cercle. Contre Thibault. Rio qui gagne la mise au jeu. C'est en lob jusqu'à Nkuzé. Qui laisse le long de la rampe. C'est récupéré là, par Farmer. Ça sera sorti par Thibault qui s'amène à l'attaque. Thibault laisse du côté droit. Revient vers l'intérieur et c'est raté ici là, pour Gagnon qui n'a pu réceptionner correctement la rondelle. Saint-Jacques qui tente de sortir. Voilà, c'est fait. Interception de Damelda. Ça revient en zone neutre. Thibault qui donne un coup de bâton contre Saint-Jacques ici. Alors qu'il voulait lui soutirer la rondelle et Thibault lui a donné littéralement un coup de graphite sur cette séquence et ira au condo privé de la Ligue. Et le boomerang s'en va en avantage numérique. À mi-chemin de ce match, avec 10 minutes 32 à jouer en deuxième, le boomerang voudra marquer un but en avantage numérique. Les Patriotes qui sont cinquième dans la division pour le pourcentage de réussite à court d'un homme, avec un taux d'efficacité de 71%. L'avantage numérique du boomerang qui pointe au sixième rang de la conférence du Sud-Ouest. Taux de réussite de 18%. Mise au jeu à la gauche de Bougie. C'est gagné là, par les Patriotes qui vont dégager le long de la clôture. Jaudoin qui tentera d'être là en premier. Voilà, c'est fait. Une remise vers Brunet qui longe la clôture. Jusqu'à Saint-Jacques qui tente de pousser vers Rioux. Rioux qui a la rondelle à Saint-Jacques. Saint-Jacques s'installe, prend son top, sert ses options avec Chartrand. Chartrand à Saint-Jacques. Le tir de Saint-Jacques, c'est l'arrêt. Retour vers Jaudoin qui envoie le disque dans le coin. C'est dégagé par les Patriotes jusqu'à Chartrand qui remet à la ligne bleue. Pour Jaudoin à Saint-Jacques. Saint-Jacques, une remise à la ligne de but. Ça revient vers Saint-Jacques ici qui n'a pu tirer. Jaudoin qui a le disque. Jaudoin. Et vite, c'est le lancé, c'est l'arrêt. Retour devant, le lancé qui est bloqué par Charles Bougie, qui effectue des miracles et qui vole un autre but au boomerang.
Les Patriots qui étaient débordés ici dans leur propre zone n'ont jamais été en mesure de sortir la rondelle de leur territoire à court d'un homme au cours des 46 premières secondes. C'est gagné par le boomerang. Nadeau à Desrosiers. Desrosiers. À Nadeau. Pour Lamy. Lamy. Une passe arrière. Ça revient vers Desrosiers. Le lancer dévié. Retour. Le tir. C'est l'arrêt. Et là, Lamy qui remet vers l'intérieur. Et ça ne fonctionne pas pour Plourne. Et ça sera la contre-attaque d'Audi qui va dégager à l'autre bout. C'est récupéré par Nadeau qui remet derrière lui et Nardoni qui immobilise pour Desrosiers. Desrosiers qui a le disque. Perd la rondelle, revirement, la fin. Oh, quel arrêt de Nardoni! Desrosiers lui devra un souper ici. Dupont qui s'amène à l'attaque. Dupont remet derrière le filet. Héroux qui perd contrôle. Ça revient à la ligne bleue. Nadeau vers Desrosiers, c'est un peu trop long. Et Desrosiers qui va récupérer à la hauteur de la ringuette. Ligne de but maintenant. Dupont qui s'installe au cercle en compagnie de Nadeau. Ça revient à Desrosiers. Desrosiers prend son temps. Transversal vers Lamy. Lamy va rester quelques secondes à faire à l'avantage numérique du boomerang qui est toujours dans la zone offensive. Nadeau qui a le disque. Échappe la rondelle et ce sera la fin de l'avantage numérique du boomerang. Qui aura eu plusieurs occasions de marquer. Héroux qui trébuche ici, là. Finalement, ça revient vers l'intérieur. Le boomerang qui tente d'intercepter. Voilà, c'est fait avec Nkouzé qui va dégager à l'autre bout. Dupont qui tente de gagner cette bataille. Giroux qui reprend possession. Giroux, une passe à Roy. Roy, passe coupée là, par Émond. Ça revient vers Nardoni qui va immobiliser le tout. Et c'est l'arrêt du jeu. 8-0-2 à faire en deuxième. Et bien là, Desrosiers qui a joué mollement dans sa zone. Nardoni qui a effectué un gros arrêt. Et par la suite, le boomerang qui a contre-attaqué. Les belles opportunités de marquer pour la formation de Bruno Gladu. Et Nardoni là, qui effectue des arrêts importants. Les deux gardiens qui s'illustrent ce soir. Chartrand qui dégage, ça dévie sur Brunet. Finalement, ça revient le long de la clôture, dégagé par les Patriotes et Nardoni qui laisse la rondelle à Chartrand. Chartrand pour Bérard. Bérard qui se fait intercepter. C'est récupéré par Chartrand qui perd contrôle de la rondelle. Les Patriotes qui ont le disque. Finalement, la rondelle qui était libre et Chartrand qui va sortir de sa zone. Transporte la rondelle jusqu'à l'autre bout. Chartrand remet vers remet derrière le filet. Le boomerang qui intercepte. Ça revient vers Chartrand encore une fois. Chartrand tente de gagner cette bataille. Bien fait. Va remettre à la ligne de but. Brunet qui tente de remettre dans l'enclave. Ça ne fonctionne pas. Les bâtons étaient barrés. Et ça rebondit jusqu'à Jaudoin dans sa propre zone. Jaudoin prend son temps. Transporte la rondelle à la ringuette. À la bleue pour la rouge. Une passe à Brunet qui a tiré de loin. Ça fut bloqué. Ça revient vers Bérard. Derrière le filet maintenant. Un placement de rondelle qui est allé jusqu'au Patriotes. Qui tente de sortir. Finalement, c'est Chagnon qui a la rondelle. Une remise devant lui. Là. Les Patriotes qui voient leur jeu être bloqué. Ça va donner une passe à être ratée par le boomerang. Et Farmer qui contre-attaque. Farmer, un tir bloqué par Nardoni. Rondelle saisie par Bérard. Bérard qui se fait donner un coup ici. Là. Il va perdre son casque. Il retournera à son banc directement. Le boomerang qui a la rondelle avec Tranquille. Pour Tremblay qui s'amène à l'attaque. Tremblay prend son temps. Tremblay, une remise vers Tranquille. Tranquille qui laisse le long de la clôture et ça revient vers Raymond. Interception ici de Noël pour Saint-Jacques. Saint-Jacques qui va contourner le filet. Remise devant le tir, on s'est raté pour Aymeric Rioux. Nkouzé qui a évité Desniaux. Ça revient vers Émond. Émond pour Saint-Jacques. Saint-Jacques à Nkouzé, ça sort et le boomerang qui devra recommencer. Un peu plus de 5 minutes à jouer. Là, ici, Saint-Jacques a reçu directement un double échec sur lui. Ça aurait dû être chassé. Les Patriotes qui ont la rondelle là, dans le coin. Ça revient vers Saint-Jacques. Nkouzé qui lance, c'est raté. Damelda qui a le disque. Damelda. Interception d'Émond pour Nkouzé. À Émond. Émond
prend son temps. Récupération de Noël pour Ryu. Ryu prend son temps ici, là, ça s'en va vers Aymon qui s'amène à l'attaque. Aymon qui se fait barrer la route. Dégagement à l'autre bout. Saisi par Saint-Jacques à Ryu. Ryu derrière le filet maintenant. Les Patriotes qui vont dégager jusqu'à Chartrand qui a intercepté à la ligne bleue. Chartrand attire un couvreur. Un lancé de loin, c'est l'arrêt de Bougie. Provo qui a le disque. Provo, le long de la rampe. Finalement, la rondelle qui est récupérée par Ryu qui a laissé devant lui. Il était en fin de présence et va effectuer le changement. Thibault qui a la rondelle. Dégagement jusqu'à l'autre bout. Rondelle qui s'en va jusqu'à derrière la ligne de but de Nardoni. C'est refusé contre Saint-Laurent. Avec 4 minutes 38 à jouer en deuxième. Toujours l'égalité 1-1 dans ce match. Aucun but qui n'a été marqué en deuxième. Les gardiens de but qui se sont illustrés pour effectuer des arrêts très importants. Autant Bougie que Nardoni. L'ami qui laisse du revers à Jaudoin. Le tir, c'est hors cible. Et la rondelle qui se retrouve à l'extérieur de la glace par le biais de l'écran protecteur. On va reprendre à la droite du gardien Bougie. Gamache qui est au cercle pour le boomerang. Contre Audi, c'est gagné là, par Gamache. Et aussitôt, Roy qui est allé sur la rondelle. C'est devenu une bataille pour le disque. Et le boomerang qui a perdu possession. Ça revient vers Cécile. Cécile à Audi. Audi, interception de l'ami cette fois-ci. Qui va envoyer le disque à l'autre bout, il sera là en premier sur la rondelle. L'ami qui va récupérer. Remise à Gamache. Un lancé qui est hors cible. Les Patriotes qui veulent la rondelle. Voilà, avec Roy qui dégage jusqu'à Jaudoin en zone neutre qui joue mollement ici. Les Patriotes qui reprennent possession. Une passe ratée pour Charbonneau. Charbonneau à Héroux. Héroux à la ligne de but. De l'autre côté maintenant, Charbonneau qui tire. C'est raté. Ça revient à Héroux. Héroux jusqu'à son coéquipier Cécile. À Héroux. 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 Remise vers l'intérieur. Le tir d'Audi, c'est l'arrêt de Nardoni. Pas de retour. Et là, il y aura pénalité pour coup de bâton. Audi qui s'en va au cachot. Il redonnera un avantage numérique à son équipe. Un coup de bâton directement après l'arrêt de jeu. Un geste inutile de la part du joueur des Patriotes. Mise au jeu dans la zone du boomerang des Patriotes, pardon. Avantage numérique, André Lorando, avec 3:32 à jouer en deuxième. Desrosiers qui a la rondelle. Desrosiers. Finalement, les Patriotes qui interviennent et réussissent à dégager jusqu'en zone neutre. C'était partiellement dévié par Nadeau. Récupération de Lamy qui va sortir de sa zone. Lamy, une passe arrière pour Nadeau. Nadeau vers Dupont. Dupont en direction de Nadeau. Nadeau qui laisse derrière pour Lamy. Lamy. Lamy s'installe. Le tir, c'est capté. Pas de retour. 1:27 à jouer en avantage numérique du boomerang. Un match très serré ce soir. Plourde qui est au cercle contre Gervais. C'est gagné par le boomerang. Nadeau pour Desrosiers. Desrosiers à Nadeau. Nadeau pour l'ami. À Plourde. Plourde. À Lamy. À Plourde. À Lamy. Lamy. Une passe à Plourde qui voulait réceptionner côté fort, mais il devra s'en aller derrière le filet. Interception du boomerang. Dupont qui va remettre devant et c'est intercepté par les Patriotes. Dégagement de Chagnon jusqu'à l'autre bout. Voilà Nardoni qui a laissé le disque à Nadeau. Il va rester 50 secondes à la punition des Patriotes. 2 minutes et quart à jouer en médiane. Nadeau avec Saint-Jacques qui s'amène à l'attaque.
Saint-Jacques prend son temps, observe ses options, remet vers l'intérieur, c'est raté pour Jodoin, un peu trop long. Et là, ça va être la contre-attaque ici. Là, attention, Gervais qui s'amène. Une passe à Chagnon et ça s'est retrouvé dans les patins de Chartrand. Une contre-attaque du boomerang. Attention, le 5 contre 2 possiblement. Rioux qui revient vers l'intérieur. Une passe et tire de Rioux, de Brunet pardon, qui est raté. Saint-Jacques qui a la rondelle. Saint-Jacques avec Chartrand. Chartrand s'installe. Une remise devant le filet. Ça revient devant. Le tir qui est raté. Rioux qui est bien muselé là, en défensive. Ça revient vers Saint-Jacques. À Chartrand. Chartrand prend son temps. À Saint-Jacques. Saint-Jacques, le tir, c'est raté. Retour à force égale, mais le boomerang continue à bourdonner. Ça revient à Rioux derrière le filet pour Chartrand. À la ligne bleue. Tir frappé de Jodoin. Quel bloqué. Quel bloc de la part de Chagnon ici qui a mal, là, qui aura de la difficulté à se relever. Ça revient vers Brunet. Brunet, une passe dans les patins ici là, de Giroux. Et Brunet qui devra revenir dans sa zone. Chagnon qui a mal. Là. Le boomerang qui a le disque. Saint-Jacques. Saint-Jacques qui perd contrôle. Giroux qui chute. Boomerang qui va récupérer. Une passe à la bleue. Ça revient à Roy. Roy, un lancé repoussé par le bouclier de Nardoni. Et le boomerang qui va aller en contre-attaque. Voilà, Plourde. Pour Brunet. Brunet, le tir bloqué en défensive et Brunet qui a shooté par la suite. Vlasopoulos, une passe. Ça revient à Vlasopoulos. Jeu bloqué par Raymond. Raymond, le long de la rampe. Roy maintenant, finalement. Ça revient là, dans le coin derrière le filet. Les Patriotes qui tentent d'attaquer l'intérieur de la zone offensive, mais c'est bloqué par le boomerang. Et attention, Dupont qui va s'échapper à 3 contre 1. Dupont s'amène. La passe, Fernando, c'est intercepté. Et les Patriotes qui vont récupérer. Thibault qui s'amène. Thibault, il se fait soutirer et barrer la route par Nkouzé. Interception de Dupont qui va s'amener à l'attaque. Et c'est la fin de cette deuxième. Alors, au bout de 40 minutes de jeu, 1 à 1 la marque.
Nous sommes de retour pour la troisième période de ce match. Je vous rappelle la marque 1-1 de chaque côté. Gosselin du côté des Patriotes qui a inscrit un but pour créer l'égalité après le premier but du match qui a été marqué par Zachary Lamy en première période, alors que les deux équipes sont prêtes à reprendre les hostilités. Les deux gardiens de but là, qui s'illustrent très bien ce soir. C'est parti pour la troisième. Dupont qui a la rondelle remise devant lui. C'est intercepté par Sicurella. Sicurella le long de la rampe. Et ça revient vers Dupont en zone neutre. Avec Aymon. Chagnon qui s'amène à l'attaque. Chagnon qui laisse dans le coin ici. Là, ça sera récupéré par Chagnon. Finalement, la rondelle qui est libre. Et ça sera une course pour la rondelle saisie par Nadeau. Attention, Nadeau qui va s'amener. Et finalement, il a été déporté. Nadeau pour Dupont. Devant le filet, le tir, l'arrêt. De bougie, pas de retour. Alors, une belle montée là, de la part de Nadeau, qui malheureusement là, avait été déporté, mais n'a pas hésité à converger vers le filet. Dupont qui a tenté une opportunité de marquer. Plourde qui est au cercle contre Charbonneau. C'est gagné par Plourde. Rondelle qui se retrouve là sur Roy. Et là, il y aura pénalité contre le boomerang. Pour bâton élevé, Dupont qui s'en va au cachot. Autour des Patriotes de retourner en avantage numérique. On donne un coup à la tête. 2 minutes de pénalité. Je pensais avoir vu un signal de bâton élevé un peu plus tôt. Mise au jeu gagnée par le boomerang et ça revient là dans l'enclave ici à Cécile. Cécile le long de la rampe. C'est une bataille pour le disque. Finalement, ça revient vers Roy. Roy qui laisse la rondelle aller à l'autre bout. Cécile qui est bousculée. Finalement, Chartrand qui va dégager à l'autre bout. Et les Patriotes qui ont la rondelle. Roy qui a le disque. Roy laisse la rondelle libre. Remet devant lui. Et Roux à Audi qui s'amène à l'attaque. Audi prend son temps. Contourne le filet. Audi à la ligne bleue pour Héroux. À Audi à la ligne de Ringuette. Audi observe ses options. Remet à Roy. À Héroux, pardon, et ça a été bien coupé par Rioux, de sorte que les Patriotes doivent se replier en zone neutre. Roy qui a la rondelle, et beau jeu ici de Bérard. Bérard qui met en échec à Roy ici. Et les Patriotes qui auront la rondelle derrière le filet. Voilà la sortie de territoire de la part de Giroux. Giroux qui entre à l'attaque. Rondelle qui se retrouve derrière. Desrosiers. Desrosiers, il reste moins de 40 secondes à l'avantage numérique des Patriotes. Le Beaubrun qui connaît un excellent match de hockey ce soir. Là. Plusieurs opportunités de marquer. Plourde qui laisse devant lui. D'Amelda qui a le disque. D'Amelda. Entrée de territoire cette fois-ci de la part de Giroux. Qui place la rondelle à l'autre bout et qui va la récupérer. Moins de 10 secondes à l'avantage numérique des Patriotes. Giroux pour Raymond. Le long de la clôture jusqu'à Chagnon. Finalement, Nkouzi qui a laissé de la rondelle pour Chagnon. Dans l'enclave, ça a été coupé par Chartrand. Et le sifflet qui se fait entendre. Mise au jeu qui se jouera à l'extérieur de la zone du boomerang. À la ligne bleue, il y a eu un hors-jeu qui fut appelé par le juge de ligne. C'est gagné par le boomerang et Nadeau qui a le disque. Nadeau devant lui en direction de Plourde. Plourde du côté gauche à Tremblay. Tremblay le tir, c'est l'arrêt. Ça rebondit jusqu'à la ligne bleue. Les Patriotes qui vont tenter une passe. Attention, Gervais qui s'amène seul contre Nardoni. La fête. Quel arrêt de Nardoni. Il vient de voler Gervais là-dessus. Rondelle qui se retrouve dans le coin. Derrière le filet. Gervais qui récupère tant un Michigan ici, là. Il sera bousculé dans le coin.
C'était une manœuvre de trop de la part de Gervais. Desrosiers qui a la rondelle. Renvoie vers Dupont qui s'amène à l'attaque. Dupont laisse derrière pour Nadeau et Dupont qui maintient l'attaque. Dupont, rondelle qui revient en zone neutre pour Aymon en compagnie de Nkouzé. À Aymon. Aymon pour Plourde, c'est intercepté. Les Patriotes qui se font barrer la route. Plourde qui dégage en zone neutre. Bougie qui laisse la rondelle libre. C'est saisi par Nkouzé. Nkouzé qui a la rondelle. 16 minutes 15 à faire en troisième. Toujours 1-1 la marque. Audi qui remet devant le filet. La fin de l'arrêt de Nardoni. Un autre lancé qui touche l'extérieur du filet. Ça revient vers Gamache en compagnie de Lamy qui va sortir avec Gamache. Gamache à Lamy. Attention. Lamy qui va s'amener. 3 contre 2. Lamy pour Provo. Provo le tir. Le but! Samuel Provo! À son match qui est finissant, il vient donner les devants à son équipe. C'est 2-1. Il a tiré là où maman cachait les biscuits. Bougie ne pouvait absolument rien faire là-dessus. C'est 2-1. Le numéro 12, Samuel Provo. C'est 2-1. Et c'est l'euphorie à l'aréna Silvio Manta. Quel jeu créé par Zachary Lamy là-dessus. Et c'est 2-1. C'est récupéré par Sicurella qui remet devant lui. Interception de Chartrand. Chartrand qui s'amène à l'attaque à Lamy. Lamy tente une passe à Chartrand. Finalement, ça rebondit à l'autre bout. Chartrand qui sera là en premier. Une passe devant le filet pour Gamache. C'est intercepté par Chagnon qui va dégager à l'autre bout et qui a encaissé un coup d'épaule de Tremblay. Sortie de territoire de Nardoni, ça revient à la ligne bleue du boomerang. Il y avait un hors-jeu là-dessus, sans équivoque, la rondelle qui avait déjà quitté la zone de l'Orange et Marine. Il va rester 15 minutes 29 à jouer en troisième. 2-1 la marque pour le boomerang grâce à Samuel Provo. Ils ont joué gagné par Tranquille, c'est récupéré par Aymon. Guillaume Aymon prend son temps. Un lob à l'autre bout. Roy qui saisit la rondelle. Roy remet le long de la rampe. Ça revient à Nkouzé. Nkouzé vers le filet. Finalement, le disque qui se retrouve sur Héroux. Roy qui est intervenu à interception de Brunet. Un lancé, c'est l'arrêt. Retour vers Tranquille qui tente un tir revers qui n'est jamais venu. Et Tranquille qui a été bien muselé en défensive. Ça ne l'a pas empêché d'envoyer le disque à la ligne bleue pour Nkouzé. Ça revient vers Tranquille. Rondelle qui rebondit à l'extérieur de la patinoire au banc des Patriotes. Ça n'ira pas plus loin. 14-56 à jouer en troisième. 2-1 la marque pour le boomerang. Provo qui a mystifié le gardien de but Bougie là-dessus, qui ne pouvait absolument rien faire sur la séquence. Dans le haut du filet. Une belle pièce de jeu de Zach Lamy là, en zone offensive. Qui est allé chercher de l'espace en patinant, en bougeant ses pieds. Une passe ici là, qui ne vient pas. Saint-Jacques qui coupe le jeu. Saint-Jacques qui remet vers Noël. Le tir de Noël, ça touche l'écran protecteur derrière le gardien de but Bougie. Le jeu qui reprendra à la ligne bleue. Les Patriotes, puisque le boomerang avait effectué le tir initial. Rio qui est au cercle. Contre Jasmin Thibault. C'est gagné par Tremblay qui envoie le disque jusqu'au gardien Bougie. Les Patriotes qui voudront créer l'égalité. Le Gagnon qui se fait barrer sa passe par le boomerang. Ça revient ici là, en zone neutre. Le boomerang qui tente de récupérer. Voilà, c'est fait. Noël qui a le disque. Une passe du côté droit pour Saint-Jacques. Saint-Jacques prend son temps. Évite une mise en échec. Saint-Jacques garde pied jusqu'à Tremblay. Ça revient vers Saint-Jacques. Une remise à Noël. Interception des Patriotes. Attention, ça va donner un 2 contre 1 ici. Hors-jeu sur cette séquence contre les Patriotes. Le boomerang qui sort le disque de sa zone. Et ce sera un dégagement refusé contre la formation de Bruno Gladu. Mais tout un travail en zone défensive ici de la part là, du boomerang qui a évité un 2 contre 1 aux dépens de Nardoni. -09 à jouer en troisième. 2-1 la marque. C'est gagné par les Patriotes. Et aussitôt, la rondelle qui a été poussée à l'extérieur et
Dupont qui va gagner cette rondelle. Dupont garde le disque, remet en zone offensive et ça s'en va vers Gervais. Gervais qui a la rondelle. Gervais, une passe devant lui là. C'est intercepté. Et là, Nadeau qui remet devant. Plourne qui s'amène à l'attaque. Plourne qui se fait bousculer. Garde le disque. Attire quelques couvreurs. Remet devant vers Nadeau. Le tir de Nadeau! Et c'est bloqué en défensive. Ça revient vers Dupont qui tente une remise vers Nadeau. Nadeau qui a la rondelle pour Plourne. En direction de Dupont, c'est intercepté. Les Patriotes là, qui sont débordés là-dessus et qui vont dégager jusqu'en zone neutre. Nkuzé qui tente un bloc. Finalement, ça fut récupéré par Chartrand pour Nkuzé. En direction de Nadeau à Nkuzé. Nkuzé à Nadeau. Nadeau s'amène à l'attaque à Chartrand. Chartrand vers Nadeau, c'est un peu trop long. Nadeau qui récupère. Nadeau prend son temps. Nadeau, une passe interceptée ici. Là, les Patriotes qui voient leur jeu être bloqué. Nadeau qui reçoit un double échec. Et il y aura pénalité contre les Patriotes. Gosselin qui a littéralement donné le bâton horizontal dans le numéro de Nadeau en zone neutre. Double échec automatique. Excellent appel de l'arbitre Antonin Prévost. Et le boomerang qui ira en avantage numérique. Plourne à la mise au jeu contre Jérémy Cécile. Là, les juges de ligne qui sifflent. Plourne qui est chassé. Et Dupont qui s'en va au cercle contre Cécile. Cécile qui gagne la mise au jeu aussitôt. Dégagement jusqu'à Desrosiers. Desrosiers le long de la rampe pour Dupont. Dupont prend son temps à Desrosiers. À Nadeau. Nadeau à Desrosiers. C'est un peu trop long pour Desrosiers qui reprend contrôle de la rondelle. Desrosiers à la ligne bleue pour Nadeau. À Lamy. Lamy. Une passe vers Desrosiers. Un lancé qui est bloqué. Ça dévie jusqu'à Dupont. Dupont qui reçoit un double échec. C'est récupéré par Desrosiers. À Nadeau. Nadeau. À Desrosiers derrière. Pour Lamy. Lamy. Qui longe la rondelle jusqu'à Dupont et ça revient vers Desrosiers. Rondelle qui ne sort pas. Nadeau qui bloque le jeu à la ligne bleue et qui se porte à l'attaque. Nadeau prend son temps. Nadeau applique les freins. Remet à la ligne de but pour Dupont. Ça revient à Nadeau. Nadeau prend son temps avec Desrosiers. Desrosiers qui revient au point d'appui en compagnie de Lamy. Remise vers l'intérieur, un lancé qui est bloqué. Immobilisation. Et là, Dupont qui reçoit de la visite ici de Thierry Roy. Et c'est l'arrêt du jeu. Le boomerang qui garde la rondelle en zone offensive obtient des chances de marquer. Le boomerang connaît tout un match ce soir. N'eût été du travail de Charles Bougie, là, le boomerang aurait une plus grande avance. Nardoni a aussi effectué quelques arrêts, mais le boomerang a nettement plus d'occasions de marquer que les Patriotes. C'est gagné par le boomerang. Là. Saint-Jacques, qui a le disque, en compagnie de Noël. Noël, avec Chartrand. Chartrand pour Saint-Jacques. Saint-Jacques s'installe. Le tir, c'est raté. Ça revient vers Chartrand. Chartrand, qui a la rondelle. À Saint-Jacques. Saint-Jacques, remise vers Brunner, en avant du filet pour Noël, qui n'a pu tirer. Voilà Chartrand. Chartrand observe ses options. Remet dans le coin. À Rioux pour Noël. À Chartrand. Chartrand, permutation avec Saint-Jacques. Chartrand tente un tir, c'est bloqué en défensive. Ça rebondit jusqu'à Noël. Noël qui laisse devant lui, interception des Patriotes et dégagement dans la zone du boomerang qui devra recommencer. De toute façon, ça coïncide avec la fin de l'avantage numérique de l'Orange et Marine. Saint-Jacques qui envoie le disque en zone neutre. De retour à force égale, 5 contre 5 d'ailleurs. Brunet qui a le disque. Brunet qui tente de gagner sa bataille aux dépens de Gervais. Rondelle qui est dégagée à l'autre bout. Et Mont qui sera là en premier en compagnie d'Audi. Une remise vers le filet et bon harponnage de Nardoni. Bouchy qui tente un lancer, c'est bloqué par Noël. Les Patriotes qui ont le disque. Remise vers le filet, c'est intercepté en zone défensive. Le boomerang qui dégage dans le deuxième tiers de la glace.
Récupération du boomerang avec Émond et Nkuzé. Nkuzé, ça s'en va dans des patins, là. Nkuzé qui perd surveillance et finalement, les Patriotes qui ont le disque. Voilà Farmer qui envoie le disque dans le coin. Ça revient vers Farmer. Farmer. Derrière le filet ici. Bonne mise en échec et Démon et il sera chassé. Les Patriotes qui ont la rondelle. Émond qui touche au disque et il s'en va au cachot. Pour avoir donné de la bande. Le boomerang qui retourne en cours d'un homme. Avec 9,48 à jouer en troisième. 2-1 la marque. C'est l'occasion ou jamais pour les Patriotes là, de tenter de créer l'égalité. Mise au jeu à la droite de Nardoni. Mise au jeu gagnée par Chagnon à la ligne bleue. La Giroux qui est là. Giroux remet derrière pour Raymond. Raymond, interception du boomerang. Beau travail de Chartrand ici qui va sortir de sa zone. Et Raymond qui récupère la rondelle. Il n'a pas mordu au départ de Chartrand. Bérard qui récupère. Dégagement frappé jusqu'à dans les estrades. C'est l'arrêt du jeu. Les 19 premières secondes de l'avantage numérique des Patriotes qui ont été écoulées. Mise au jeu dans la ligne bleue. Du boomerang. Tranquille qui est au cercle contre Chagnon. C'est gagné par les Patriotes. Giroux qui remet de l'autre côté à Roy. Roy qui s'amène à l'attaque. Dégagement à l'autre bout. Nardoni qui récupère. Dégagement contre la baie vitrée. Ça sera saisi par Desrosiers qui a envoyé le disque au deuxième tiers de la glace. Roy qui remet devant à Damelda. Interception ici de Tranquille là, qui lui a soutiré la rondelle. Tranquille qui tire. C'est hors cible. Roy qui a la rondelle. Qui laisse pour un coéquipier. Ça va être la sortie des Patriotes. Bien récupéré par Tremblay qui va dégager jusqu'à l'autre bout. Il va rester une minute à faire à l'avantage numérique des Patriotes. 8 minutes 50 à jouer en troisième période. Benjamin Gagnon qui a la rondelle. Gagnon qui a laissé le disque derrière lui. Il retournera au banc. Et c'est Léo Raymond qui a le disque. Remet devant là, Cécile qui s'amène à l'attaque. Cécile s'amène au départ de Tremblay. Tente de le déborder. Contourne le filet. Cécile remet à la ringuette. C'est bloqué. Ça revient à Cécile qui tente une remise devant le filet à Gosselin. C'est bien coupé en défensive. Le boomerang qui va dégager jusqu'à l'autre bout. Il va rester moins de 30 secondes dans l'avantage numérique des visiteurs. Raymond à nouveau avec la rondelle. Léo Raymond qui s'amène. Raymond, placement de rondelle à l'autre bout. Nardoni qui intervient. Le long de la rampe jusqu'à Cécile qui tente de lancer bas. Le tir, c'est l'arrêt de Nardoni. Raymond qui envoie le disque sur Rioux. Rioux qui va sortir en compagnie de Saint-Jacques. Saint-Jacques qui s'amène à l'attaque. Tente de déborder, applique les freins. Il va ramener le disque dans sa zone. Le boomerang qui maintient la possession de la rondelle. Desrosiers qui sort en compagnie de Nadeau qui va s'amener à l'attaque. Nadeau transporte le disque. Finalement, ça s'en va derrière là, avec Héroux. Interception des pattes. Ça revient ici là, jusqu'à Gervais. Gervais observe ses options, remet à Déniaud qui tente une feinte, ce fut de trop. Et Dupont qui a récupéré. Voilà Nadeau qui va sonner la charge. Nadeau s'amène à l'attaque. Tente une feinte finalement à la défensive des Patriotes qui n'a pas laissé d'espace et s'est dégagé jusqu'à Gervais. Bien coupé par Nkuzé et Plourde qui remet devant lui. Les Patriotes qui reprennent. Tout un match de hockey ce soir. Interception de Plourde. Plourde qui perd contrôle. Ça revient le long de la rampe ici. Beau travail de Nadeau aux dépens de Gervais. Il va rester moins de 7 minutes à faire. Dupont qui envoie le disque devant lui. Attention, le boomerang qui s'amène à l'attaque. Un lancé de Plourde du revers. C'est l'arrêt, pas de retour. 6-51 à jouer en troisième. 2-1 la marque. Le boomerang qui est en avance. Plus le match va s'avancer. Et moins ça avantagera les Patriotes. Le temps s'écoule quand même assez rapidement dans ce match. Mise au jeu à la droite de Bougie.
C'est gagné par le boomerang et aussitôt les Patriotes ont repris possession. Voilà le dégagement jusqu'à Chartrand. Chartrand qui conserve la rondelle pour Tremblay. Tremblay en compagnie de Lamy. Lamy de l'autre côté maintenant, entrée de territoire de Provost, qui remet devant lui à Chartrand qui n'a pu réceptionner. Dégagement jusqu'à l'autre bout de la part de Saint-Laurent. C'est refusé. 6-31 à faire en troisième. Une mise au jeu offensive. Le boomerang qui envoie Nkuzé et Mont dans la mêlée. Et Mont qui voudra se tenir loin du banc de pénalité. Bien que son équipe ait fait un très bon travail à court d'un homme. Chagnon contre Gamache à la mise au jeu. Et c'est gagné par Chagnon. Raymond qui a le disque. Raymond qui s'amène à l'attaque. Revient sur ses pas. Laisse de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la sortie de Sikourila qui envoie vers Daigneau. Daigneau devant lui, interception du boomerang qui est en train de sortir. Voilà, c'est fait. Lamy qui se fait bousculer. Les Patriotes qui reprennent possession avec un dégagement à l'autre bout. Et Nardoni qui intervient du revers pour Nkuzé. Nkuzé à Lamy en compagnie d'Aimon. Ça revient à Nkuzé. Nkuzé à Aimon. Aimon qui envoie le disque à l'autre bout et le boomerang qui ne touchera pas la rondelle afin d'éviter le hors-jeu. Et ça donnera des changements complets au banc de Bruno Gladu. Les Patriotes qui ont le disque là. Transition de Roy qui s'amène à l'attaque. Roy s'amène. Tente de contourner le filet. Bonne mise en échec de Tremblay. Rondelle qui se retrouve dans le coin ici là. Le boomerang qui reprend possession avec Brunet. Brunet devant à Bérard. Bérard qui va dégager à l'autre bout. Ça s'en va jusqu'à Bougie. Et c'est l'immobilisation, dis-je bien, de la rondelle. Avec 5-25 à jouer en troisième. Mise au jeu dans la zone des Patriotes. Thibault qui est au cercle contre Brunet. C'est gagné par Brunet. Et par la suite, les Patriotes qui ont dégagé à la ligne bleue. Bérard qui a ramené la rondelle en zone offensive et ça a coïncidé avec un hors-jeu. Plusieurs joueurs du boomerang qui ont très bien progressé depuis le retour du temps des fêtes. Je pense notamment à des joueurs comme Antoine Dupont, Elliott Bérard également. Des joueurs qui s'imposent sur la glace là, physiquement, qui travaillent très fort. Mise au jeu gagné là, par les Patriotes. Bougie qui a chuté ici. Là. Finalement, c'est dégagé à l'autre bout. À l'autre bout, dis-je bien. Nardoni qui remet le long de la rampe. Damelda qui a le disque. Damelda vers l'intérieur. Le tir de Gagnon bloqué en défensive par Bérard. Ça revient à Bougie. Un lancer bloqué par Nardoni. Damelda qui a la rondelle. Damelda le long de la rampe. Remet derrière la cage. Ça revient ici là à l'embouchure. Et le boomerang qui est en train de sortir avec Brunet. Ça ne fonctionne pas. Ça revient à Tranquille qui, cette fois-ci, va envoyer la rondelle à Bérard et ça va donner un 3 contre 2. Bérard qui s'amène à l'attaque. Une remise vers Chartrand, un lancer qui n'est jamais venu. Remise vers l'intérieur. Le tir de Tranquille, c'est hors cible. Ça rebondit jusqu'à Brunet qui n'a pas été en mesure là, de mettre son bâton en temps puisque les Patriotes avaient dégagé. Et Monk à la rondelle. Dégagement jusqu'à l'autre bout, ça devient un tir au but. Il va rester 4 minutes 20 à faire en troisième période. Rioux qui a la rondelle. Rioux, dégagement jusqu'à Saint-Jacques. Ça rebondit vers les Patriotes. Audi qui s'installe. Dégagement à l'autre bout. Et Nardoni qui récupère. Nardoni contre la baie vitrée jusqu'à Saint-Jacques. Saint-Jacques qui perd contrôle au dépens d'Audi. C'est récupéré par Saint-Jacques pour Rioux. Rioux, le long de la rampe. S'en va derrière son filet. Rioux observe ses options. 3 minutes 50 à faire. En troisième période, Rioux vers Desrosiers qui entre à l'attaque. Desrosiers transporte le disque pour Noël qui va dégager. Ça s'en va vers Rioux. Finalement, Tremblay qui récupère le dégagement des Pats. Desrosiers qui envoie le disque à l'autre bout. C'est l'intervention du gardien. Attention, Noël qui remet vers l'intérieur ici. Là, c'est raté pour Rioux, le gardien qui était dans la lune. Là. Ça revient vers Cécile. Cécile prend son temps. Cécile s'amène à l'attaque. Une petite passe est interceptée par Nkuzé pour Dupont qui va dégager du revers jusqu'au gardien Bougie.
Il va rester 3 minutes à jouer en troisième. 2-1 la marque. Les Patriotes qui tirent de l'arrière. Là. Et le temps s'écoule pour les Pats. Nadeau qui a le disque. Vers Dupont. C'est dégagé. Jusqu'à Gosselin qui a dévié plus haut que la hauteur permise. Et c'est l'arrêt du jeu. Gosselin qui avait son bâton très élevé là-dessus. Et sans équivoque, l'officiel qui a sifflé. Mise au jeu à la ligne bleue du boomerang. Vlasopoulos au cercle contre Liam Plourde. Ancien Patriote d'ailleurs, qui s'est joint au boomerang cette année. Dégagement à l'autre bout de Roy. Le tir de Gervais, c'est l'arrêt de Nardoni. Ça revient à Vlasopoulos à la ligne bleue pour Roy. Roy qui tire, c'est l'arrêt. Retour, c'est immobilisé par Nardoni. Mise au jeu à la gauche de Nardoni. Et je pense que Christophe Burnet a demandé son temps d'arrêt, là, avec 2 minutes et demie à jouer en troisième. Qui est repris là à 6 contre 5. Les Patriotes qui jouent le tout pour le tout. Le boomerang qui a la rondelle en zone neutre. Dupont qui se fait bousculer ici. Là. Dupont qui protège bien la rondelle le long de la rampe. Moins de environ 2 minutes à jouer là. En troisième. Quelques batailles pour le disque ici. Là. Finalement, le boomerang qui immobilise la rondelle. Le temps s'écoule pendant ce temps-là. Très beau travail en zone 1 de la part du boomerang. À limiter l'espace et le temps aux Patriotes. Ils coincent la rondelle littéralement. Les Patriotes qui ne peuvent rien faire. Les doubles échecs qui se donnent ici. Et les officiels en ont assez, mais le boomerang a écoulé au moins un bon 35 à 40 secondes là, sur cette séquence. Quel travail en zone 1 de la part de Plourde, Nkouzé, Guillaume Aymon, Dupont et Nadeau. Beaucoup d'intensité. Tout un travail. Là, les officiels qui vont se consulter. Mise au jeu devant le banc du boomerang. Là, les doubles échecs qui se donnent ici. Finalement, le boomerang qui va récupérer. Lamy qui tente une feinte et Giroux qui n'a pas mordu. Dégagement de Roy. Ça s'en va à l'autre bout. Bougie qui retourne à son banc. Là. 6 joueurs du côté des Patriotes. Avec 1 minute 20 à jouer en troisième. Gagnon, quel disque. Gagnon jusqu'à Giroux. Une passe pour Roy. Roy. Un lancé qui est bloqué en défensive. Le boomerang qui va récupérer. Dégagement de Lamy. Et c'est raté de peu. Ce sera un dégagement refusé. 1-0-5 à faire en troisième. Le boomerang qui joue tout un match ce soir. Limite les chances de marquer aux Patriotes. Un niveau d'engagement très élevé.
Bruno Gladue se doit d'être fier de la performance de son équipe. Chagnon qui est au cercle contre Rioux. Un des très bons matchs du boomerang cette année. Rondelle qui se retrouve le long de la rampe. Ça revient à la ligne bleue. Giroux qui a remis devant. Ça revient vers Giroux. Giroux en compagnie là, de Deniaux. Deniaux, dernière minute de jeu là, qui a été annoncée il y a environ une douzaine de secondes. Roy qui a la rondelle. Roy transporte le disque dans le coin. Tente de contourner le filet. Rioux et Provo qui ne le lâchent pas. Finalement, ça va rebondir jusqu'à Giroux. Une passe devant le filet. Nardoni qui tente d'immobiliser. Rioux qui récupère. Dégagement le long de la rampe. Ça revient à la ligne bleue. Deniaux pour Cécile. Remise devant le filet. C'est intercepté par Nkouzé qui va transporter la rondelle. Interception ici de Deniaux qui tente une remise vers l'intérieur. Le tir, c'est bloqué par Nardoni. Provo qui va récupérer la rondelle. Dégagement. Et là, le boomerang qui va récupérer. Chartrand qui a le disque. Les dernières secondes de ce match qui vont s'égrener. Il va rester 6,8 secondes. Un dégagement refusé qui a été appelé contre le boomerang. Mise au jeu à la droite de Justin Nardoni. Mise au jeu à la droite de Nardoni. Tranquille au cercle. C'est remporté par les Patriotes. Une tir de Roy, c'est raté. 2 secondes, le lancer, c'est hors cible. Et le boomerang qui remporte la victoire. 2-1 en temps régulier pour conclure son calendrier régulier face aux Patriotes du Cégep de Saint-Laurent. Ses éternels rivaux de toujours. Le boomerang qui signera cette saison avec 13 victoires en 27 départs cette année. Toute une performance de la part de la formation Bruno Gladue. Le boomerang qui aura connu là, une très belle rencontre. On aura la sélection des 3 étoiles dans les prochains instants. Charles Bougie qui reçoit la 3e étoile du match. Samuel Provo, la 2e étoile du match. Et Zachary Lamy, la 1re étoile du match de ce soir. Le boomerang qui remporte la victoire 2-1 face aux Patriotes du Cégep de Saint-Laurent. L'équipe d'André Laurendeau qui conclura son calendrier au 4e rang de la conférence du Sud-Ouest, tout juste devant le collège André Grasset qui a dû s'avouer vaincu par la marque de 4-1 contre les Finons du Cégep de Thetford Mines cet après-midi, de sorte qu'ils ont offert l'avantage de la glace au boomerang pour la 1re ronde éliminatoire. Bon nom est Tristan Manque, au nom de tous mes collègues, merci d'avoir été là et on vous retrouve d'ici... On vous retrouve lors du prochain week-end pour le calendrier des séries éliminatoires. Donc, on vous invite là, à nous suivre sur nos médias sociaux. Nous vous donnerons les détails dès que possible. Mais une chose est certaine, le boomerang a l'avantage de la glace et affrontera le collège André Grasset en séries éliminatoires. Un rendez-vous numéro 2 comme l'année passée. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas un match ultime, mais plutôt une série 2 de 3. On vous remercie d'avoir été là. La marque finale ce soir, Boomerang 2, Patriotes 1.